Bon chéri, je pars au travail. Ok ma belle. Passe une agréable journée. Et que Dieu te protège. Merci beaucoup. Je te rends infiniment grâce, ô Éternel. Car tu es ma force, et mon bouclier. C'est en toi que mon cœur se confie, et je suis secouru. Mon cœur est dans la joie, et je te loue, par mes chants. Ô mon Dieu. Je remets mon aller et mon retour entre tes mains. Protège-moi de tout mal, car tu es le Dieu qui nous protège. Que ton nom soit glorifié jusqu'au siècle des siècles. Amen. Bonjour collègue. Bonjour. Tu as bien passé ton week-end? Car moi je l'ai bien passé. Non collègue. Je n'ai pas bien passé mon week-end. Pourrais-je savoir pourquoi? N'es-tu pas au courant de tout ce qui se passe actuellement dans le monde? Tu veux parler de la hausse du prix du carburant, et de la cherté de la vie? Il n'y a pas que ça. Ou bien, c'est de la pandémie que tu parles? Non collègue. Je veux parler des affrontements, qu'il y a en ce moment dans le monde. Nous avons même pas encore fini de parler de la pandémie, et soudain, voilà encore un autre problème d'affrontement, qui apparaît dans le monde. Je suis tellement dévastée, et fatiguée, de tous ces problèmes. Tu parles de quel affrontement? Certaines nations s'élèvent contre d'autres nations. Et à cause de la guerre, certains habitants fuient leur pays d'origine pour aller se réfugier dans un autre pays. Et sans te mentir, je commence vraiment à paniquer pour l'avenir de mes enfants et pour moi-même. Je me demande vraiment si le monde existera d'ici quelques années. Je n'étais pas du tout au courant de tout cela. Lorsqu'on prendra la pause, j'irai suivre moi-même les actualités. Pour voir un peu ce qui se passe. D'accord. Allez, à tout à l'heure, collègue. À tout à l'heure. Ô Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans le monde? Ô mon Dieu, que deviendra-t-il, nos enfants? Dès que je me suis mise à suivre les infos, la crainte et la peur m'ont immédiatement saisie. Je me sens angoissée maintenant. Vraiment la soirée, d'hier, était magnifique. J'ai beaucoup aimé. J'ai tellement hâte, d'être au prochain week-end. On n'est qu'au début de semaine, ma biquette. Je suis aussi impatient, d'être au prochain week-end. Comme ça, nous allons encore bien profiter. Ok, ça marche. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Repentez-vous. Car le royaume des cieux est proche. Mais, c'est qui, celui-là encore? Rejetez loin de vous, toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau, et un esprit nouveau. Maintenant, renoncez, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes, qui pourraient sortir de votre bouche. Heureux, ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par les portes dans la ville. Salut bien-aimé. Sache que le Seigneur Jésus-Christ t'aime. Il frappe à la porte de ton cœur. Ouvre-lui cette porte, et il soupera avec toi, et toi avec lui. Je ne suis pas ton bien-aimé. On se connaît où? S'il vous plaît, donnez votre vie à Christ, avant qu'il ne soit trop tard. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves, à l'impureté, et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves, à la justice, pour arriver à la sainteté. Car vous ne connaissez pas le jour que votre Seigneur vous rappellera, vivez chaque jour comme si, c'était le dernier jour de votre vie. Mon frère, n'endurcis pas ton cœur à la voix du Seigneur. Ô mon Dieu, pardonne-moi tous mes péchés. Car je ne suis qu'un pauvre pécheur. Je regrette cette vie de débauche et de désordre que je menais. Et je prends l'engagement de te suivre et d'arranger ma vie. Gloire à Dieu au siècle des siècles. Bien-aimé, s'il te plaît, prie pour moi. Tu viens de créer la joie dans le ciel. Car le Seigneur Jésus nous avait dit dans le livre de Luc 15 verset 7 que, de même, je vous le dis,
il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Seigneur, je te rends infiniment grâce pour la vie de ton enfant. Voici. Il était perdu. Mais aujourd'hui, il est revenu dans ta bergerie. S'il te plaît, Seigneur, pardonne-lui tous ses péchés, et qu'il soit purifié par ton sang précieux, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Chérie, es-tu au courant de tout ce qui se passe dans le monde ? Car j'avais suivi l'actualité aujourd'hui, lorsque j'étais au boulot, et cela m'avait complètement déstabilisé. Bien sûr. Tu sais, j'ai vraiment peur. Comment sera l'avenir ? Tu sais, la parole de Dieu nous dit dans Matthieu 24 ceci. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura, en divers lieux, des famines, et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations, à cause de mon nom. Alors, aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et, parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Waouh, je ne savais pas qu'il y avait un passage, dans la Bible qui parlait de toutes ces calamités. Et oui, tellement que Jésus-Christ nous aime, qu'il nous avait déjà prédit beaucoup de choses auparavant. Oh merci Jésus-Christ pour ton amour. Que doivent maintenant faire les chrétiens qui ont peur comme moi ? Tous les chrétiens doivent abandonner la peur, en méditant ces versets. Tu sais, il est aussi écrit dans Proverbe 3 verset 5, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Ésaïe 41 verset 10, nous dit aussi, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Il est aussi écrit dans Philippiens 4 verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. » Le psaume 23 verset 4 dit aussi, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. N'ayons pas peur ma belle, car l'Éternel est avec nous. » Ce que nous devons faire maintenant, c'est de continuer à nous sanctifier davantage, et de chercher à être toujours en parfaite communion avec l'Éternel. Tous les enfants de Dieu doivent développer une foi ferme dans ces temps troubles de la fin. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Or sans la foi il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Nous devons tous combattre le bon combat de la foi, en saisissant la vie éternelle, à laquelle nous avons été appelés, et pour laquelle nous avons aussi fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Vraiment, tu m'as tellement rassuré par tes paroles. Je n'ai plus de peur, et de crainte, en moi. Je sais maintenant que je suis assis sur le bon rocher, et rien ne pourra me ravir de la main de l'Éternel. Amen ma belle, et que Dieu soit loué pour cela. Que tous les chrétiens sachent que dans le livre d'Ésaïe 43, Dieu avait dit, « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. » Le Seigneur Jésus-Christ nous a promis qu'il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Recherchons la paix avec tous, et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Salut frère. Salut. Est-ce que tu me reconnais maintenant ? Attends. Ah ! Je me rappelle maintenant. Waouh, tu as beaucoup changé.
Oui frère, depuis le jour que le Seigneur Jésus-Christ m'avait rencontré au travers de toi, je me suis attaché à lui et il m'a complètement délivré du monde. Aujourd'hui j'exhorte tous mes amis à donner leur vie à Christ. Waouh, quel beau témoignage! Que tout honneur et gloire soit rendu à notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth jusqu'au siècle des siècles. Amen. Amen. Et voilà mes frères et sœurs, ça sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter et de la partager à votre entourage afin qu'une seule âme soit sauvée et restaurée. Et s'il vous plaît n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Les Ateliers d'André pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Votre sœur Pélagie. Et votre frère André.